voiture. Ouais. Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Uncharted The Lost Legacy. Retour en arrière, c'est parti mon kiki. Elle va prendre une photo. Quel paysage incroyable. Oh, le paysage est joli, ça c'est sûr. Alors après, techniquement, prendre une photo, je ne sais pas à quoi ça sert. Est-ce que ça apporte quelque chose? Je ne sais pas. Bon, allez, c'est parti. Donc, Nadine nous a laissé pour quelques instants. Qu'est-ce qu'elle a à l'autre? Ah. Mon arbre pont est tombé. Tu veux traverser? J'y réfléchis. Ça va être compliqué. C'est bien, en fait. Hein. Merci de t'en inquiéter. Allez, dans la boue. Chloé, dans la boue. Ah, non! Calmos! D'accord. Ah, là, les grappins. D'accord. Oh, yo! D'accord. Oh punaise. Oh punaise. T'es toujours là-dessous? Ouais. Toujours là. Ok. Je voulais juste en être sûr. Je vais baisser un peu le son pour moi du coup. C'est vrai que je me l'étais monté pour moi avec mon casque. Donc ça voulait peut-être dire qu'il était un peu faible pour Tiens, vous. Donne-moi ta main. Ah, elle veut me donner la main. Je m'en sors, t'inquiète. Ok. Bon. L'entente n'a pas l'air d'être parfaite. Hein. Non, ça ne me dérange pas. Moi, si. J'aime bien avoir le contrôle. C'est clair. Non. Merci. Sans façon, VGG, on s'en passera. Alors, je sais pas si on peut se suicider. Est-ce qu'on essaye? Et si on profitait un peu de ce havre de paix? J'ai une question bête. Une prochaine fois. Comment tu sais que la défense est toujours là? Elle se serait retrouvée dans un musée depuis le temps, non? En plus, j'ai vu aucune expo sur les Hoysala. J'avais jamais entendu parler des Hoysala avant ce boulot. En fait, c'est la faute de leur dernier roi. Un type jeune et insouciant qui a dilapidé les richesses de son empire. Il a bâti une nouvelle capitale pour abriter la défense. Ensuite, il a mené les Perses aux portes de la ville. Et aujourd'hui, nous. Et aujourd'hui, il y a des animaux, j'en ai vu un là. Ah, des flamants roses. Attendez, est-ce qu'on peut pas faire un truc stylé? Mais non, je voulais qu'elle prenne comme un tremplin. Hey, ah, ça, une réunion de flamants roses. C'est joli. L'assistance de la caméra en véhicule est disponible dans options. Donc ça veut dire quoi? Que ça va m'orienter sur là où je dois aller ou... Tu peux avancer? Je cherche. Pas par là. Ne dis pas qu'il faut sauter là-dedans. Gros frein, hein. Je voulais faire un dérapage. Non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est n'importe quoi. Oh yo. Est-ce qu'on peut pas passer directement là? Juste une seconde. Ah bah, je me tire. Ah, c'est ça, fallait sortir en fait, peut-être. Ah, JPP de toi, mon cher Beerus. Bye bye, Jérémy.
Ouais, et donc? Au revoir Nadine. Je sais pas ce que je suis censé faire. Nadine! Nadine! Je suis en haut! Je me tire. Et attends, mais là je suis en train de me barrer sans Nadine, hein, what the fuck. Est-ce que là, je peux pas remonter là, si? Ah putain. D'accord, on sait pas comment aller monter, mais... GG. Il y a des petits pas singes. Pour longtemps. Bien reçu. L'ancienne capitale. Qu'est-ce qu'on a? Allez, Bidou et Bélour. Je croyais que c'était Ganesh et Shiva. Bah, je vois que tu m'écoutes. Ganesh était le gardien d'Alebidou, la toute nouvelle capitale d'Oysala. Shiva était le gardien de Bélour, l'ancienne capitale. Ces sculptures sont bien jolies, mais pas vraiment une défense efficace. Le quartier des sculpteurs, je dirais plutôt. On est encore à la périphérie. Je savais pas que t'étais archéologue. L'archéologue, c'était plutôt mon père. Je suis qu'une voleuse, tu te rappelles? Hey, y a pas un treuil sur la voiture? On dirait bien. Super. Ça devrait suffire pour cette porte. T'as l'intention de l'arracher? Exactement. Quoi, t'as de la dynamite? C'est toi l'experte. Je prends ça pour un nom. Ah, on va tester à l'ancienne, entre guillemets. Bon, ça devrait faire l'affaire. C'est une embuscade. Merde! On a des guns. Je suis pas mon servi. D'accord. Compliqué. Je peux pas baisser juste le son des bruitages en fait. J'ai l'impression que les bruitages sont un chouïa trop fort. Effet. Voilà. Comme ça, les attaques de balles sont un peu moins marquées. Le mec me fait bouger en tirant dessus. JPP. Triangle pour recharger, c'est quoi cette touche? On peut tirer à l'aveugle, bien sûr. Tu peux arrêter de bouger, monsieur? Joli tir. Ok. C'est bon, on peut y aller. C'est fini. Ok. Où on en était? T'étais sur le point d'abaisser une vieille porte. Ah oui. Ok, ça vient, parfait. Et voilà le travail. Reste assise. Bon Ubirus. Ok, vas-y. Ah, plus dans le bus. Ok. C'est bien silencieuse. Je suis juste surprise, c'est tout. J'aurais imaginé du genre plus discrète en matière de ruines indiennes. Dans ce genre de métier, sensiblerie, Madame Calam. Heureux, Margot. D'accord, l'utilité d'avoir fait ça. Salut Kibix. D'accord, donc je reviens en arrière. Ouais! On va essayer par là alors. Je vois pas où je vais, mais c'est pas grave. Ok. Chauve-souris. C'est juste de gros rongeurs volants. Techniquement, pas vraiment. Ouais, c'est ça. Elles sont plus proches des primates et des lémuriens. Ok, je vérifierai. Des lémuriens. Allez, 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 allez. Ah, ça patine.
Ça patine, ça patine. Ça patine, allez, ça allez, patine. J'ai rendez-vous, moi. Fec, t'as pas de rendez-vous. Attends un peu. Vas-y. Vas-y, fais tout le boulot. Ah non, d'accord. Parce que dans le 4, il y avait une séquence comme ça où il fallait genre accrocher l'espèce de tyrolienne en haut et l'utiliser pour remonter. Là, clairement, c'est pas ça. Ouais, je croyais que ce tas de ferraille avait 4 roues motrices. On va aller voir par là. Ouais, mais y a rien. Ah. Et voilà le travail. Ok, en passant sur la roche, ça passe un peu mieux. Bon. Je suis passé. Ok. Arrête. Qui part ça? Ah, ça va. Ah bah voilà, elle se demandait oui pourquoi on le voyait pas. T'as de bons yeux. Merde. Il a tout un bataillon avec lui. Et il y en a peut-être encore à l'intérieur. Je trouve ça flatteur qu'ils nous prennent tant au sérieux. Il faut qu'on passe cette porte. Chaque chose en son temps. Il faut d'abord qu'on s'occupe de tous ces cœurs. T'as un plan? Ouais. Bien sûr. Madame a un plan? En quoi consiste ce plan? Salut Dark Gaming. À mon avis, le plan, c'est pas de foncer dans le tas avec la bagnole, mais ça se tente. Juste pour le lol. Ok, tu t'es pas dans la sécurité, quoi. Pas vraiment. Ah, y'a des snipers. My god. C'est une blague. C'est une blague. J'ai pas de snipe, moi, comment je fais pour l'atteindre, le mec qui est là-haut, là, rapidement. Un sniper, planque-toi. Ouais, planque-toi, ouais, bah... C'était vraiment ça, ton plan? Oui. À peu près. Gros plan. Il te plaît pas? À couvert, patate. Ah mais je me fais tirer dessus par un milliard de gens. J'ai pas de grenade, bien sûr. Putain, il se baisse au moment où je veux tirer. Oui, non mais c'est ça, hein, le meurtre... Oh. Meurtre en boucle, on se pose plus la question hein, dans ces jeux-là. Je vais mourir, j'ai des armes caca. Merde, y'a quelqu'un à côté de moi. Pas les choses compliquées. Tu vas me lâcher. Putain, vous, je me snipe là tout. Gros plan de merde. Putain. Toi déjà, tu vas te calmer. Oh putain, mais c'est pas vrai. C'est que je vais avoir quelqu'un en visu. Il me balance une grenade. Tu m'échapperas pas. C'est fini pour toi. Ah ouais, mais je peux pas. Là, je suis mort. Bon, bah écoutez, voilà. Ça se passe très bien. Bah, de toute façon, un, voilà. Ok, tu fais pas dans la sécurité, toi. Pas vraiment. C'était vraiment ça ton plan? À peu près. Il te plaît pas? C'est bon, il est mort. Lui, il ne fera pas chier. Putain, triangle pour recharger, what the fuck. On fonce pas dans le tas. Mais si! Oh! C'est la stratégie! Je les vois! Ah, non, bah non. Voilà, headshot. Putain, je vais mourir. Nadine! Je suis pas couvert là, j'ai pris encore des dégâts.
Nadine, help me. Ah, mais stop bouger, monsieur, non? Elle bouge, qu'est-ce qu'elle fait? My God. Nadine! Putain, mais JPP! Oh. Bon, faut que je change d'approche, je pense. Ça va pas. Ah, il y a un point de contrôle, d'accord. Maintenez L2. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis en point de contrôle là. Du coup, je suis obligé de rester dans cette position délicate. Putain, dans l'autre sens, gourdasse. Qu'est-ce que. Elle est juste là. Et c'est parti. Il y a des renforts qui arrivent. Bordel. F3 pour zoomer. Ok. Le son devient sourd, je ne sais pas. Ah! Normalement, non, mais bon. Tu peux arrêter de bouger quand j'essaie de te headshot? Merci. Sur ta droite! Bah, sur ta droite, mais oui, mais en fait, je suis à couvert nulle part là, c'est un peu relou. On va essayer cette arme là. Ah mais stop venir de partout là non? Je sais pas, je vois pas. D'accord, le snipe qui se barre, on sait pas pourquoi. Comment je tire une grenade? Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai juste appuyé sur rond pour mettre à couvert, le triangle pour recharger, je sais plus, mais non. Mais... JPP, hein. Oh là là là, lâchez-moi la grappe. Le son déconne? Ah mince. Bah, pas de mon côté, je sais pas, je peux pas te dire. Il y en a encore beaucoup ou pas? Laisse tomber, c'est fini! Ah, il fallait que j'appuie sur quoi? Je sais pas moi, wesh! Ne perdons pas de temps! Trop du cul! Ok. Y'a plus rien! Exactement comme prévu! Ouais! Très bien. Grosse infiltration. Bon, on va essayer de monter là, j'imagine. Oh, je vais ouvrir la porte. Tu vas chercher la voiture? Bien sûr. Merci. Ça doit être ça. Ok. Ok, tu peux y aller. Je peux pas descendre avec le grappin, ce serait tellement swag. Non, c'est pas prévu. Très bien. Alors, est-ce que je peux me servir du grappin pour frapper ça? Je sais pas. Je dois sauter sur la camionnette ou... D'accord. Attention, t'inquiète. Ah, je reprends la place. Je suis tout à fait capable de conduire, tu sais. J'en doute pas, ma belle. Mais je préfère que ce soit moi. Allez, ouais. Comment l'escalade, c'est pas crédible. Je sais pas, j'ai pas
porter attention. Diront. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est vrai, mais on a un avantage. Pas comme ton copain à Save. Les trois symboles. Regardons la carte. Ok, voyons. On est juste là. Je vais le marquer au fur et à mesure. Téléphone. Ah d'accord. Carte. Bah de toute façon... Regarde, tout c'est droit, tout. Non wow. Je parie qu'on a une super vue de là-haut. Peut-être. Ok. Putain, comment ça dérape. Ok. Je vais surveiller à Sam. Parfait. Je m'en fais pas pour lui, t'inquiète. Tu devrais. On n'aura pas deux fois l'effet de surprise. Il devait pas attendre beaucoup de toi. Attends, c'était un compliment ? Parce que ça ressemblait à un compliment. Ça, c'est... Ces hommes sont des idiots, mais Asav est... Il faut juste qu'on reste le plus loin possible de lui. Asav est dangereux. Quel est l'intérêt de la map, là ? Je comprends pas. Alors, soit va y avoir où du fight... Tu grimpes avec moi ? J'aimerais bien, mais... Il faut bien que quelqu'un monte la garde. Soit il y a des choses à trouver, je ne sais pas. On va jeter un petit coup d'œil vite fait. Il n'a pas l'air d'avoir de trésors à première vue. On peut grappiner. Bon bah je pense qu'on va escalader la tour. Ah quoi que attendez. Je reconnais pas ce truc. C'est pas l'un des trois symboles. Enfin, ça pourrait peut-être nous rapporter un peu. Bah alors de toute façon faut explorer les environs. On va voir à quoi ça sert. Oh, des fontaines. C'est quoi ce bruit? Pas sûr. Non, c'est pas une bombe. Je crois pas. Écoutez, pour l'instant, je sais pas trop. Hein. Je ne sais pas s'il faut monter à l'arrache ou découvrir des trucs. Je pense qu'il faut découvrir des trucs. Hmm. Bon, bah, le coup des fontaines, je sais pas à quoi ça sert. C'est arrêté. Ah, ça remet les fontaines en place. Bah oui, mais je comprends pas, il doit y avoir une énigme, mais les symboles. Je sais pas. Puis y a pas le carnet à l'ancienne pour m'indiquer quelque chose. Pas trouille, hein, mais non, ça suffit. Bah écoutez, je ne sais pas. Y a pas le carnet de Nathan. Elle consulte que la map. Elle parlait des trois symboles, mais moi je les connais pas les trois symboles. Parce que là, à la limite, ce que je comprenais, c'est peut-être qu'il fallait activer, enfin, couper les trois fontaines. Ok, je crois que c'est un truc. Qui correspondent. Ou alors faut juste marcher sur toutes les fontaines. En mode random. En mode OSEF. Merde, j'ai pas été assez rapide. Ah d'accord. Tu sais que je les regarde pas de patrouille à ce naze. Bon, je crois que c'est ça. Faut juste marcher sur les fontaines pour les couper. Grosse énigme. Hein. C'est qu'à la droite là.
Ouais, mais elle chope pas la bonne, cette courbasse là, merci. La meuf, c'est Spider-Man. Sauf qu'elle se vautre. Merde. Je sais pas si on aura le temps, hein. Ça se trouve, on le prend pas dans le bon sens. Je crois pas qu'il y en ait là à droite. On va enchaîner de ce côté. Pour le plaisir des yeux. Lucas. Allez, bouge tes fesses. C'est bon. J'entends encore ce bruit. Il y a une autre fontaine ? Ah, retour à la case départ. Réussi. Intéressant. Ça ressemble bien à une sorte de jeton Oysala. C'est pas l'un de nos trois symboles. On pourrait en tirer un bon prix une fois rentré. Je ne sais pas. Et donc ? Ah, tu as les jetons. Qu'est-ce que... Quelque chose à me dire peut-être ? Une sorte de jeton. Un vieux truc Oysala. On en a besoin ? Besoin ? Non. Envie, carrément. D'accord. N'est-ce pas merveilleux? Je viens de récupérer un jeton inutile. Est-ce que vous êtes aussi content que moi? Je sais pas ce que je dois faire. On va visiter un petit peu. Non, c'est rien. Ça correspondait pas au symbole qu'il y a sur la porte. Bah, normalement, non. Bon, bah écoutez, c'est divin, y a pas d'indice, y a pas d'indication. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est un jeton dont j'ignore l'utilité. N'est-ce pas merveilleux? Je crois bien que si. Youpi. Kidlix, fais travailler tes méninges. On va retourner voir la porte qui est derrière. Hein. À défaut d'autre chose. Bah, c'est ce que je vais faire, Dictat. Mais elle dit que c'est pas utile, donc c'est pour ça, en fait. C'est non, hein. C'est... Elle parle bien de trois symboles, mais... Je sais pas à quoi elle fait allusion, en fait. On va remonter, on va faire un tour. On va aller voir derrière. Comment on peut faire confiance à des gens comme Asab? C'est facile. Ils trouvent des hommes faibles et leur offrent le pouvoir. Ils leur donnent un but. Un but? Ça ressemble plus à des conneries pour moi. Attends, mais l'objectif c'est pas la tour? Qu'est-ce que... Ou alors faut aller plus loin? C'est bizarre. Comment tu t'es retrouvé avec Asav, au fait? Un but? Je préfère ne pas en parler. Il devait sûrement avoir un faible pour toi. N'en parle pas. Il m'a été utile à l'époque, mais... Ouais. Allez, raconte! Je préfère pas! Peut-être qu'après un verre... Même avec tout l'alcool du monde. Ah, salut Lucas. Bon bah écoutez, la zone continue, hein, je... pas quoi en penser. Bon, je vais aller voir là-haut, hein, au nord. Ouais. D'accord, c'est toi l'experte militaire. Quelle est la stratégie d'Assav ici? Il a déployé ses hommes dans l'espoir de nous stopper net. C'est pas ce que j'aurais fait. Qu'est-ce que t'aurais fait à la place d'Assav? À part me raser la barbe? Attendre. Te laisser faire tout le sale boulot et débarquer au dernier moment pour prendre la défense. C'est sournois. Pragmatique. Ça réduit énormément les risques.
Heureusement que t'es dans mon camp. Ouais, heureusement. Je suis un peu surprise qu'Assav ne fasse pas la même chose. Son expert en sait peut-être plus qu'on ne le pense. C'est vrai. Raison de plus pour pas traîner dans ce cas. Là, je vous avoue que je suis un peu perplexe. Il y a cette forme en rond qui m'intrigue un peu, on va aller voir. Regarde là-bas, l'un des camions d'Assav. Ça a l'air calme ici. Ça sert à rien ce que je fais là. Un gun. Et un trésor. Ouais, le dessert. Là, je sais pas comment on dit. Normalement, ça one-shot les ennemis. Donc c'est plutôt efficace. Donc on a trouvé une arme et un trésor. Génial. Est-ce que c'est ce qu'on voulait? Je ne suis pas sûr. Alors du coup, c'est bien d'avoir mis un niveau un peu ouvert où on fait un peu ce qu'on veut, mais... Nadine CTP. Hey, regarde, la hache de Shiva. Shiva, c'est le dieu de la destruction, c'est ça? C'est l'un des symboles, ça? Peut-être pas dans le sens où tu l'entends. Ah putain, faut la... Va chercher, madame, va chercher. Pas au sens littéral, alors. Putain. Si, mais aussi dans un sens plus positif, comme perdre son ego, abandonner ses mauvaises habitudes. Débarrasser de ses anciennes attaches. Exact. C'est bien ce qu'il semble. Fraser ! Donc ça ferait 1 sur 3 là, on met 15 ans à trouver le premier, JPP. Ah mes gommes remettent à côté du truc, ah bah merci. Ça devrait faire la paire. Aussi loin. My God. Voilà. Putain, on va mettre 15 ans à finir cet épisode là, JPP, on est déjà une demi-heure là. Ça se trouve, elle va faire tomber toute la structure. Ok. Ça vient. Bien, on entre. Ça, elle pouvait pas le faire d'elle-même. Difficile à dire. Une forteresse, ça a pas la forme d'un temple. Bon, on va voir, hein, écoutez. Hein. Bon, on entre. Salah contre le tigre. Un combat loin d'être équitable. C'est Salah qui a gagné, en fait. Il protégeait son gourou et tua l'animal d'un seul coup. C'est de là que vient le nom Oi Salah. Oi signifie coup dans leur langue. Passionnant. Allez, on continue. Ok. La meuf s'en tamponne. Quand une charte de rencontre Final Fantasy. Qu'est-ce que... Non. Tu vas bien, Fraser? Ouais, ça va. Allez, on descend. On va plonger. Je suis censé plonger pour voir un truc, là? Ou c'était juste une indication random? Ah non. D'accord. Je vais peut-être décéder, non? Il n'y a pas un peu d'air quelque part là? La meuf est une warrior. Lara Croft, c'est une chouchotte à côté. Ah, ça va remplacer le piolet ça, non? Ils ont laissé leur matos d'escalade.
Ça pourrait être utile. Ils ont voulu faire un Lara Croft à la Uncharted. Correction. C'est notre matos. Le piton. Comment on s'en sert? Carré. Oh, oh la vache. Oh, ça tire sur les poignets. Je sais plus s'ils avaient mis ça dans le 4, peut-être. Hein. Peut-être même avant, je sais plus. Enfin, pour moi, ça me fait plus penser à... au dernier Tomb Raider. Enfin, aux deux derniers. Oh, punaise. Oh. Et donc? Bah... Je sais pas. J'ai pu l'entendre des voix. Bah ouais, mais bon... Je vais pas rester sous l'eau 47 ans, si. Oui, mais... Comment on les marque? Ok. Ils sont au moins 3, 4, 5. Bah je peux tuer le premier qui est là discrètement, mais le reste... Merde. Grosse idée. Un couvert, ouais. Elle a disparu. Ouais, on a disparu. Change d'arme. Qu'est-ce que... Les voix. Ah. Appuie sur croix pour changer d'épaule. Et... Chute, monsieur. Et... Ah, mais ils ont des armures, wesh. Bon, alors, mais faut que je teste le bout des effets. Hein. Oh là là, salut. Chris Gaming. Non, ça me pète les oreilles. Hein. Ah, les voix sont trop faibles, mais les effets sonores trop forts. Grenade, attention! Oh, super. Bon, Nadine, c'est quand tu veux que tu aides, hein. La meuf, ça fait trois quarts d'heure qu'elle tire sur le mec, il est toujours pas par terre. Ok. Cette arme, on va la garder pour l'instant. C'est fini. Alors, j'ai pas regardé s'il y avait les mêmes trophées qu'à l'époque, c'est-à-dire faire X kills avec chaque arme. Salut Krajor, bienvenue. Alors, du coup... Ok. On peut pas zoomer par contre avec celle-ci. Bon, on va garder celle-ci. Il me semble qu'elle est dans Metal Gear Solid, celle-là, elle me parle. Ouais, du coup, le niveau progression, encore une fois, c'est un peu hasardeux. Hein. Je... Une histoire de trois symboles, mais je me balade un peu de manière random. En espérant trouver la suite. Je ne suis pas convaincu. Surtout que c'est clairement du déjà vu avec les précédents Uncharted. Impressionnant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, voyons ce que ça fait. La statue a bougé. Bon, on va voir ce qui va se passer. Bon, j'y comprends rien. C'est compliqué.
Oh merde, la statue a encore bougé. Attention. Ça, j'y vais au pif. Saloperie. Ben, d'accord. Il y a une logique. Madame la statue. Quelle est la logique? Salut Rafa. Ouh, c'est pas passé loin. Ah. Ok, on est passé derrière. Très bien. Ok, je crois que ça a marché. Viens. Ouais, téléporte-toi, Nadine. Donc je me tape toutes les énigmes. Ah. Bon. Encore une jolie vue. Bah, elle est pas morte. Bah, c'est vrai que juste pour le principe, ils auraient dû la faire mourir et lui faire prendre un point de contrôle. Hein. Mais bon. Écoute, c'est juste une hache tenue par une statue qui fait... pas loin de 10 mètres. Non, c'est pas vrai. Trois statues. Avec deux symboles différents maintenant. Une étoile et des anneaux. Ce sont tous des symboles du soleil d'Oysala. Mais je préfère tes descriptions. Oh punaise. Ah oui, non, mais elles sont pas synchrones en plus. C'est un synchrone. Ah, c'est vraiment pas passé loin. Je crois que c'est ça. J'ai pas vu dans quel sens ça a frappé, putain. Ok. Encore un peu plus. Ok, bon. Les énigmes ne sont pas trop compliquées quand t'as compris tous les trois pressions en fait sur une plaque. Ça va déclencher un coup de statue. Enfin, un coup de hache de la part d'une statue. Oh, je me disais bien qu'il y en avait encore une. Comment tu le savais ? Tout vient toujours par trois. Ouais. Elles sont quatre. Donc là, ça a changé. Là, il tape dans deux directions, je crois. Bonne nuit, Tom. J'ai eu chaud. Mais ouais, mais j'ai pas vu la suite, moi. Oh, jusqu'ici, tout va bien. Elle va se faire dégommer. J'allais prendre la petite impasse. C'est un peu bizarre. T'as un grappin, madame. Serre-toi-en, non ? Elle est super résistante. Bah ! Femme forte. Hein. Du coup, je sais plus. Ça m'aurait pas fait du bien. On progresse. Wow, c'est passé un cheveu. On est presque. Attends. Là, si je vais tout droit, je pense que je me prends un coup, non? Salut Luna. Mais si je vais là. Y passer, okay. Là. Ok. J'ai bien fait de pas aller tout droit. J'avais pas suivi le compte en fait de la statue qui était. Tout à bout. Tiens.
Qui l'eût cru ? Ah bah finalement, t'as gagné une image. Ça a servi. À quoi ça peut servir ? Salut Jeanne. C'est quoi ? Un puzzle Oi Sala antique ? Mais c'est quoi ces fausses énigmes ? Je fais une hache. Ravi de te rencontrer, Shiva. Donc pour moi, Shiva, c'est une femme, mais c'est pas grave. Maintenant, on tourne le mécanisme. Final Fantasy. Et on voit ce qui se passe. Y a pas de danger ? Il vaut mieux pas partir à la chasse au trésor si tu veux éviter le danger. Ni être mercenaire. La différence, c'est que si je dégoupille une grenade, je sais à quoi m'attendre. Mais alors, c'est pas marrant. Hein ? Et donc ? T'as entendu ? T'as senti ? Fraser, regarde ça. Pas croyable. Je vois un énorme bas-relief gravé directement dans cette montagne. Et toi, qui craignais qu'on meure après avoir tourné cette manivelle ? Heureusement que j'ai une fille d'archéologue avec moi. T'as dû avoir une enfance géniale, non ? Il y a eu de bons moments. J'ai beaucoup appris. L'Empire Oi Sala, c'était son truc. Mais ça lui prenait tout son temps. Moi, si je pars chercher un trésor, il faut que ça me rapporte. Normal. Je prends jamais de gros risques sans une bonne paye. J'imagine, oui. C'est comme gérer une armée. Grosse responsabilité. Une seconde nature. C'était l'entreprise de mon père. À sa retraite, j'ai repris le flambeau. Une affaire de famille. J'ai tout fait foirer. Mais tu dois le savoir. Toi et les frères Drake, vous êtes proches. Ouais, bon. On parlera de ça plus tard. Ok, et maintenant ? On pourrait peut-être aller voir ce fort dans le lac. Et probablement ce fort qui surplombe les chutes d'eau. J'aurais dû poser des questions sur les Drake avant d'accepter ce boulot. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Je connais plutôt bien Nate. Sam, beaucoup moins. Il est un peu sorti de nulle part, je dois dire. C'est le moins qu'on puisse dire. On retourne à la voiture. C'était l'un des reproches que j'avais fait d'ailleurs dans le 4. Le frère qui pop de nulle part. Par contre, là, le chapitre super, un raccourci. Traîne un peu en longueur. Cool, on n'a pas repassé par où on est venu. T'aurais fait éviter les haches. Je pense que je vais pas tarder à couper. Voilà. Je veux pas prendre de dégâts. Le véhicule. Ok. J'aurais bien aimé conclure le chapitre en fait. Ouh la gadoue. Ok. On va juste essayer d'avancer un peu, voir si ça déclenche un autre chapitre. Ok, le lac et les chutes d'eau. Ça marche. Donc faut se longer, très bien. Hé, juste pour info, Nathan Drake n'est plus de la partie. T'as plus à t'inquiéter de lui. J'avais mes doutes. Pourquoi avoir accepté mon offre ? À cheval donné, on ne regarde pas les dents. Surtout quand tout le monde veut me voir échouer. Je te comprends. Le côté positif, c'est... Il y a un côté positif ? Bon, quand les gens ne s'attendent pas à grand-chose, c'est bien plus facile de les prendre par surprise. En ce qui me concerne, ce milieu est déjà bien assez difficile comme ça. Faut profiter des moindres avantages. C'était pas là, hein. Ouais, c'est derrière. T'as toujours travaillé seul ? Presque. T'avais quel âge quand t'as commencé ? J'étais jeune. J'ai vite appris à laisser les gens croire qu'ils obtiendraient ce qu'ils voulaient, pour que je puisse prendre le dessus. Trop subtil pour moi. J'ai toujours préféré l'approche directe. Bon, tant que ça fonctionne.
Je pense qu'il faut passer par au-dessus. Hé, hey, attends. Merde. Ces types sont partout. Oh, fuck you. Faut pas juste que j'arrive à passer, à prendre de la hauteur et... Putain, j'en sais rien. Fuck! Non, parce que là, je vous cache pas que cette phase-là, elle me passionne pas des masses. Hein. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je crois qu'on les a semés. Celle qui se barre en voiture vivra pour voir le futur. Un truc aussi long. Ah, ou attends. Ou alors, c'était de l'autre côté. Au pire, je m'arrête là, et puis la prochaine fois, j'essaierai de relancer. Quand on aura trouvé comment y accéder. Peut-être plus par là. Ouais, non, mais même pas en fait. Oh là là. On va essayer d'aller tout droit, voir si on arrive à l'atteindre. Comme ça, ce sera fait. Donc, normalement, c'est de l'autre côté de la tour. C'est que la carte est pas très très précise non plus. Bah ouais, mais là j'y vais pas là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah si, ça y va. Autant pour moi. En plus, on est déjà passé par là. Allez, fais un effort. You can do it. Donc là, normalement, ça rejoint. Si je vais tout droit. Ouais. Donc un pont de liane, très bien. Bon bah écoutez, normalement, on est arrivé. Hein. Ça doit être juste au-dessus. Wow. Incroyable. Comme tu dis. Tu veux voir plus près? Bien sûr. Bon, une petite dernière cinématique. Combien de temps ça prend de graver un truc comme ça? Des années. Des dizaines d'années. Les Oysala étaient des vrais pros de l'architecture. Et de la guerre aussi. T'as raison. C'est peut-être une scène pour commémorer leur victoire contre les Perses. On dirait qu'ils se sont bien défendus. Sans doute. Mais pas éternellement. Tant pis pour eux, tant mieux pour nous, non? Cette gravure m'est familière. Cette gravure correspond exactement à celle du disque. Et ça veut dire quoi? Je ne sais pas, mais on dirait qu'il nous reste deux symboles à trouver. À vos ordres. Et ouais, deux symboles complets à trouver encore. Bah écoutez, j'espère que c'est la seule phase chiante du jeu. Hein. On essaiera d'en venir à bout la prochaine fois. Ce qu'il y a, c'est que je me rappellerai pas de... Oh là là. On est venu là pourquoi? Juste pour qu'elle nous dise qu'il y a deux symboles à trouver? Il y a rien d'autre? Je sais pas. Bref, on verra ça la prochaine fois. Donc je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Ciao ciao!